Non. Si. Ça c'est mieux. Bonsoir. Enchanté, ravi. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Mathieu Chédid, Jean-Claude Van Damme. Vous connaissez ? Oui, mais je l'ai vu à la TV, à l'enterrement. Je suis mort ! Je suis enterré ! 1 plus 1 égale 2. Non. Comment ? 1. Mais c'est 7 et 7, ça fait combien ? 15. C'est tout augmente. 15 ? 7 et 7, 15 ? Ah oui, maintenant, oui. Non, non. On parle une, ou un, on est ensemble. Justement, ça réplique qu'un 1 plus 1 égale 1, c'est toujours vous. C'est l'amour. 2 en 1. Mais dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 ouais. plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas. Mais c'est 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Et ça c'est beau. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Non, il a raison. Non, c'était pas mal. Pas mal du tout. C'était très bien. Vous vous êtes battu pour arriver jusqu'à... Je me suis battu. Quand tu te bats... Vous aviez dans la tête un truc... Et quand tu parles, les gens t'écoutent. Et ceux qui t'écoutent, qui sont plus hauts que toi, te mettent plus haut que... Arrêtez. Pourquoi voulez-vous les faire arrêter? Pour vous descendre, pardon. On est très bien comme ça. Mais dites donc. Et c'est à toi de les mettre plus haut que toi. Oh, là, regardez un peu, regardez. Quoi? Regardez. Mais quoi? Vous êtes trop grand. Vous êtes mon valet, vous êtes trop grand. Alors, allons. Il faut que je vois ça, moi. Voilà, là, je vois ça, ça va maintenant. Gagner votre argent, mais la jeunesse française, jeunesse partout dans le monde entier, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils sont. Et il faut s'étudier. Et quand on s'étudie, on trouve une voie où cette personne qui s'étudie peut être très efficace. Et alors là, elle peut procréer des choses qu'elle a envie. Vous comprenez maintenant ? Je comprends très bien. Je compris. C'est pas possible. Mais oui. En s'améliorant, on va en arrière. On fait un pas en arrière. On se dit... J'en ai trop fait. Merde. Hein? Non, pas trop fait. On était trop... Je sais pas comment m'expliquer. Je sais pas comment m'expliquer. Mais quand on en fait trop... Moi, j'ai rien compris de votre histoire. Mais il a compris, lui. Mais lui, peut-être il comprend les finesses de la langue. La langue? Qui est inégalitaire. Et voilà la vieille. Par rapport à celle de l'homme... Oh my God, excusez-moi, mais... Je vous en prie, allez-y. Ça va chauffer! Non, mais attends. Qui nous rappelle qu'on est une femme ou un objet? Mais non, tu es une femme, je suis un homme. D'accord, jusque-là, je vous suis. Il y a des femmes qui aiment rester à la maison. D'accord. Ils veulent rester à la maison, ils aiment bien les enfants. Ok. Si toutes les femmes travaillent, qu'est-ce qu'ils font les enfants à la maison? Elle est forte, celle-là, là. En fait, ce que vous venez de faire, c'est super, ça s'appelle... Je viens de calculer les databases, comme on dit. Ouais, exactement. Alors sinon, en anglais, ça s'appelle aussi du mansplaining. C'est-à-dire quand un homme interrompt une femme pour lui expliquer qu'il sait mieux qu'elle des choses sur son propre domaine. Oh la vache! C'est une malade. Une pauvre malade, Didier. Elle bave. Vous foutez de moi? Oui. Moi, j'ai beaucoup de copains qui sont homosexuels. Très bien. Le mariage, s'ils veulent se marier, c'est bien. Mais la question est que si tous les garçons se marient de nouveau ensemble et toutes les femmes se marient ensemble, comment on va faire des enfants? On en est là. Et hop, il l'a emballé. Alors moi, il m'épate. J'adore l'eau.
Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Qu'est-ce que vous répondez à ça, hein? Ça fait rien. C'est très bien, c'est parfait. C'est parfait. Très bien. En 3000, les gens vont parler avec les yeux. Avec des ondes. Je ne comprends rien. Pris pas pour un fou, il y a des gens, les baleines le font. Les baleines le font et les dauphins le font aussi. C'est des animaux très intelligents dans la mer. Foutez-moi la paix. Montez sur le pont. Je sens que je vais avoir un malaise. Montez sur le pont. Je sens que je vais avoir un malaise. Je m'en fous. Bon sang, mais il coule. Nous, on vit dans la tête. Et eux se communiquent, vu qu'ils ne savent pas parler dans l'eau, ils se mettent des ondes. Ils sont forcés d'utiliser des ondes de love, de hate. Et la communication se fait comme ça. Ferme-la.